Victorieux d'Osasuna lundi dernier, le sous-marin jaune se rendait en Catalogne ce jeudi soir pour tenter d'enchaîner un bon résultat en championnat afin surtout d'accrocher l'Europe. Mais les hommes d'Unai Emery repartent avec une lourde défaite de 3-0. En effet, devant une équipe du Barça qui venait de perdre deux rencontres importantes, dont El Clasico contre le Real Madrid, Villarreal n'a pas existé, malgré la titularisation de Nicolas Jackson dans l'attaque. Les hommes de Xavi Hernandez ont fait le boulot en l'espace d'une mi-temps. L'attaquant polonais Robert Lewandowski a inscrit un doublé à la 31e et 35e minute, puis Ansu Fati s'est chargé de scorer le troisième but à la 38e minute. Une défaite logique qui ne permet donc pas à Villarreal d'avancer au classement. Le sous-marin jaune, qui accueillera Almeria lors de la prochaine journée, se classe en effet dans le milieu de tableau, 9e, de la Liga d'Espagne. Après le match nul concédé la semaine dernière contre Crystal Palace, les Foxes ont goûté à la victoire ce soir contre Leeds. Au King Power Stadium, le dernier du championnat d'Angleterre a dû compter d'abord sur un but marqué contre son camp par le défenseur allemand Robin Koch pour prendre les devants à la 16e minute. Ensuite c'est l'inévitable Harvey Barnes qui corsera l'addition à la 35e minute sur une passe décisive de Dewsbury Hall. Laissé encore une fois sur le banc par Brendan Rodgers qui a préféré miser sur Soumaré, l'international sénégalais Nampaly Mandi va fouler la pelouse du King Power à l'heure de jeu en remplacement du milieu de terrain français averti d'un carton jaune. Le score ne changera pas et Leicester, 19e, remporte une victoire précieuse en vue du maintien.